Des cervelets, c'est Monster et on se retrouve pour un nouvel épisode de Gears of War. Et dans cet épisode, on va s'amuser, vous allez voir, ça va être mortel. Oh la belle bête. Oh la belle bête. Alors, pour défoncer cette belle bête, allez, lève tes petites papates. Je me souviens très bien comment faut la vaincre. On va s'approcher, et on va tirer là. T'as mal, hein, et tiens dans ta gueule. Tu souffres, hein, saloperie. Alors, le problème, c'est que là, elle va ramener d'autres bestioles. Tiens, t'as mal, hein, tiens. Tu souffres, hein. Faut la faire reculer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tiens, voilà. Et regardez ça, comment je vais la rusher. On va faire péter ça, voilà. Et on va faire péter ça, voilà. Et voilà. Oh, mais non, c'est pas fini. Enfin, si. Si, c'est fini. Va mourir, saloperie. Bon, ce fut assez court, quand même. Ah, juste à temps. Attends pour cirer mes pompes. Oh, dire qu'on a raté ça. Cole, t'as toujours le résonateur. Ouais, bien au chaud. C'est quelle heure? 5h15. Le soleil va bientôt se lever. Ah. On y va. 5h15, c'est à l'heure à laquelle je suis sur la route pour aller au boulot. Et il fait toujours pas assez jour. Hein. Alors, vous êtes où les mecs? Et vous voulez aller où exactement là? On va passer par là, j'y suis pas allé par là. Bon, alors, je voulais dire un truc, je ne sais plus. C'est quand même ballot. C'est pas grave, on va continuer. Donc là, l'espèce de grosse araignée qu'on vient de voir, elle a pas fait long feu. Tu vas où, toi, espèce de bredin, là? Par là-bas, mais c'est par là-bas qu'ils viennent. Ah ouais, non, mais ils me suivent quand même. Bon, bah, c'est très bien. Suivez-moi, alors. Je me suis toujours pas servi de ça. Hein. En formation. En formation. Allez, on se bouge le moignon, là. J'ai pas que ça à foutre. Ah. Il y a des coulées un peu partout. Hein. Et ici, c'est un peu la catastrophe, c'est un peu le désastre. Bref, on continue. Sécuriser la station de pompage. Hey Marcus, toute cette émulsion, ah, ça doit faire un joli pactole. Je crois pas que je sache compter jusque là. Bon, bah voici la station de pompage. Arc à tension. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme? Arc à tension. Pour charger l'arbalète, maintenez RT enfoncé. Relâchez pour faire feu. Si vous avez suffisamment chargé, le tir fait mouche. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut le changer avec une autre arme. C'est bien dommage que je peux pas le changer avec ça. Le sniper... On va le changer contre le sniper. Allez, on va faire l'essai. Bon, tu le récupères ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Okay. Voilà. Est-ce que je peux récupérer le sniper au cas où? Putain, il allait se foutre là où je peux pas le récupérer le sniper. Donc du coup, c'est baisé, je vais garder ça pour l'instant. Puis si je retrouve le sniper, eh ben, on gardera le sniper. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres munitions? Non, je peux avoir que 6 arbalètes. Pas que 6 flèches. Bon, bah très bien. On va avancer. Faut sécuriser la zone, de toute façon. On y est. Ok, voici le plan. Dom, on fonce droit au milieu. Cole, Baird, vous passez à droite pour nous couvrir. Mais surtout, vous protégez le résonateur. C'est compris? Ok, très bien. Ok. Ok, il va y avoir du monde, normalement. Alors, ils sont où? T'as entendu?
C'est quoi ce bruit, bordel? Un courant d'air. Un courant d'air. C'est ça. Un courant d'air qui dit « Je vais vous buter ». Oh putain. C'est pas des drones. Ah, merde. Des soldats d'élite. C'est des gardes de Terron. Tu crois qu'ils ont capté ce qu'on fait? Ben, on n'a pas l'air de majorette. Ça craint quand même. Cette station. Les humains. Oh putain, c'est des grenades ça. Alors attends un peu. Où est-ce que je peux le viser? Il est là. Alors vas-y, amène-toi. Tiens. Boum. Bon, on va garder ça pour l'instant. Ok, il y en a qui sont morts là. Ah mais t'es là toi. Ça va mec? Ouais non mais... Oh. Ça c'était beau ça. Une bonne explosion dans ma gueule. J'aime bien, j'aime bien. Alors c'est con parce que l'arbalète, je suis pas super pro de l'arbalète. Hein. J'aime pas trop ça. Moi j'aurais préféré garder mon sniper. Que j'ai gardé. Yeah. Ça c'est cool. Donc on va garder le sniper. On va avancer. Toute cette émulsion, ça doit faire un joli pactole. Oui. Je crois pas que je sache compter jusque là. Oui, j'ai vu qu'il y avait un arc à tension, mais j'en veux pas. Moi, je veux continuer. Pas besoin de l'arc à tension. Vous allez voir. Même si l'arc à tension est quand même assez badass, parce qu'on peut faire exploser les ennemis. Hein. Okay. On tire. C'est un peu comme dans Resident Evil 4, si vous voulez. Dans Resident Evil 4, il y avait une arbalète quand on jouait avec Ayla. Et tu arrêtes de déconner. Et en fin de compte, les arbalètes, c'était des flèches qui explosaient. Et là, pour le coup, bah voilà. C'est sympa, mais j'ai pas assez de balles, alors qu'avec le fusil sniper, c'est quand même assez puissant. C'est quoi ce bruit, bordel? Un courant d'air. C'est ça, un courant d'air qui dit « Je vais vous buter ». C'est quand même chaud, ça, hein. C'est pas des drones. Ah, oh, merde. Des okay. Soldats de toute façon, je les vois plus, là. C'est des gardes de Terron. Oui. Ce qu'on fait on n'a pas l'air de majorette. Non, on n'a pas l'air de majorette, ça c'est clair. On nettoie cette station. Allez, amène-toi. Je te vois pas, là. Putain, il sent rien. Ok, amène-toi. Voilà, il est mort. Tiens, dans ta gueule. Oh putain, j'ai failli claquer, là. On va se calmer 5 minutes. Viens là, sale chien. Oh, j'arrive pas à tourner. Tiens, tu me fous mon pote à... tranquille. Oh, ça pète de partout. Et où ce bâtard? Ah, y'en a un là-bas. Oi, 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 oi. Ah, pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime. Ok, on se calme un peu. Y'en a d'autres là, ici. Hein. Tiens, ta gueule, toi. Eh merde, j'ai mal rechargé. Je crois qu'il y en a d'autres là-bas. Ouais, il y en a d'autres. Où est-ce qu'ils se cachent? Je sais qu'il y en a là-bas. Mais putain, ils tirent à travers les murs ou quoi? Tiens! En mouvement, mon gars, en mouvement! Bon, j'avance un peu, mais je suis un peu le fou, parce que là, je peux me faire défoncer quand, n'importe comment. Tiens, il y en a un, là. Oh, merde, raté. Bon, il est où? Zigouille-le, s'il te plaît, zigouille-le. Yeah! Nice! Ça, c'est classe. Bon, en tout cas, au niveau des munitions, on peut rien prendre. On a juste leur pistolet à deux balles. Il n'y en a pas d'autres, là? Amateur. Bon, en tout cas, on a toujours la musique d'ambiance, donc il y a toujours des monstres quelque part. Ok. On va passer par ici. Pas de munitions. De toute façon, si on a vraiment besoin de munitions, on peut faire demi-tour. Ils sont là, nos potes. Ici, il y a personne. Ça craint un peu quand même. On va monter. Je ne vois personne.
C'est pas très rassurant tout ça. En tout cas, on a une arbalète par ici, je l'ai vu. Il est où? Ils sont plus résistants que les drones et plus rapides. Clic, crève, voilà, très bien. J'en ai vu un autre. Oui, si tu veux. Je te vois. Voilà. Oh putain, ils sont là. Il est pas mort, hein. Vas-y. Crève, salon ch... Ah ouais. Il est là ou quoi? Non, ça c'est un pote, ça. Parfait. Bouton d'ascenseur. Super, les munitions. C'est tout ce que je voulais. Ok, c'est parti. Alors, vous voyez comme quoi le sniper était plutôt pas mal. Donc le bouton d'ascenseur, il est par là-bas. Si on regarde, il est tout au bout là-bas. Ok. Allons check. Voilà. Oh ouais, mais non, ça c'est pas cool. Voilà. Résonateur, il est là. Résonateur. Qu'est-ce qui va se passer? Monte, hein. Bon, ça va péter. Et on est sorti. Oh, ce temps de chargement. L'explosion était tellement grosse que le CD il a eu du mal là. Ah, ça résonne dans la tête, hein. Contrôle, ici Delta, on a réussi. Le résonateur a pu être utilisé. Bravo, Marcus. Restez en attente, des faux convois arrivent. Ok. On retourne à la base, alors? Je suppose. Super. Je suis crevé. On va manger. Chaud. Se reposer. Oh. Delta! Mauvaise nouvelle, ça a échoué. Comment ça, ça a échoué? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah merde! C'est pas allé super loin en fait. Pourquoi? C'est clairement cette saleté de résonateur qui a mal fonctionné. Oh. D'après Anya, il manque des données sur cette espèce de... sur la plupart du réseau. Il faudrait trop de résonateurs pour tout cartographier. Pas grave. On n'a qu'à utiliser ça. Et si je te pétais les dents avec? Ça te dirait? La ferme, regarde. Regarde, c'est les tunnels locustes, Phoenix. J'en suis sûr. T'as trouvé ça où? C'est apparu à l'écran quand je me suis connecté. C'était là. Et comme ça. Phoenix, en rapport! Anya, vous voyez ça? Affirmatif. Baird a raison. Ce géobo a cartographié plus de tunnels que le résonateur. N'importe quoi. Dites-moi d'où viennent toutes ces données. Mon colonel, ça vient de l'EGBE. De la maison de son père, exactement. Ah. Le père de qui? Du sergent Phoenix. Vous pensez pouvoir retrouver votre maison, Phoenix? À vos ordres.
Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'embrouille? On est là en tout cas. Ah, ça c'est de la vermine ça. Oh. Et voilà, ça pète encore tout. Bon, point de ravitaillement. Le long retour au foyer. Ok. Quel merdier quand même. Ok, on est posé. Oh, ils sont où ces salauds? Il faut sécuriser cette cour. Ok, on va sécuriser cette cour. Oh, mais je vois que dalle, c'est bien. Alors, on va se mettre comme ça. Toi là-bas, je t'ai vu, t'es où? Ok, toi là-bas. Voilà, ça c'est fait. Toi là-bas. Ça c'est fait. Toi, t'es où? Oh, salaud, il s'est baissé en même moment. Dégâts. Oh, 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 oh. Joli. Ça, j'ai apprécié. Explosion. Tiens, dans ta gueule. Toi, t'arrêtes de balancer des grenades. Tiens. Ok. Toi, je t'ai vu. Dégage. Oh, il y en a beaucoup, hein. Hé. Hey. Parce quoi? Ah, on me tire de là-bas, en plus. Dégage. Ah, il y a ceux-là. Oh, raté, merde. Et j'ai mal rechargé. Shit. Ok. Ta gueule, s'il te plaît. Et j'ai encore mal rechargé, bien joué. Ils sont où? Ils sont où? Il est là. Tiens, dans le dos, comme un lâche. Ils arrivent! Un boomer! Éliminez-le! Il est où le boomer? Oh putain, il est là. Ok. Tiens, ta gueule. Encore une balle, et ça devrait le faire. Tiens! Voilà, super. Ah, raté. Oh, il y en a un autre boomer. Merde. Tiens. Tiens. Clac, espèce de salaud. Voilà, c'est bon, il a explosé. Son arme, je pourrais l'utiliser, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, c'est bon, Dom, il est ressuscité. Hey, je peux? Oui, tu peux, vas-y. Tu vas récupérer ça au passage. Voilà, cool. Bon, on va passer dans l'immeuble, voir s'il y a des choses intéressantes à récupérer à l'intérieur. On a les armes des boomers. Et on a un fusil à pompe, ouais, sans plus, quoi. Les armes des boomers, ça peut me tenter, mais le problème, c'est que... Eh merde, c'est pas vrai. Le problème c'est que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de balles. Et ça risque d'être pas super intéressant. Je vois, il y a une recharge de munitions, là-bas on va la prendre pour pouvoir avoir plus de balles dans le sniper, du coup... Ah merde, ça fait chier ça. En formation!
Contrôle, ici Delta. Rapport 19 confirmé. Zone d'atterrissage initiale annulée. On est sur la barricade Est. Je répète, barricade Est. Bien reçu, Delta. Il y a des survivants sur le site du crash de 25. On va là-bas alors. Quelle est la situation au sol ? Vous avez deux options, Delta. Vous pouvez prendre la rue ou traverser les bâtiments devant vous. Ah ah. C'est un choix cornélien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la rue. Contrôle, on prend les deux itinéraires. Belle avec moi. Gus, Dom, passez par les bâtiments et couvrez-nous. Affirmatif. Okay. Ok. Bon. Nous sommes sur un point de ravitaillement. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour le prochain où nous allons essayer de retrouver les survivants du crash. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.